Bonjour, bonsoir tout le monde. Et nous comptons qu'on est avec vous aujourd'hui. Donc moi-même, non pas moi, c'est Maestro Jean-Ernso Evangelus. Et ça fait longtemps que nous avons arrêté ça sur différentes pages que nous avons. Et sur Excelsior École de Musique, tout, sur page là. Et sur Chant d'Espérance, PAM, César PAM. Donc nous avons publié que nous avons un cours de musique en ligne que nous avons fait. Donc ça fait quelque temps. Mais nous avons travaillé sur le livre, nous avons réalisé. Donc nous venons aujourd'hui que Kouyo va commencer très bientôt. Comme dit très bientôt, donc ça veut dire d'ici lundi, 18 septembre, donc là bien, il y a un cours de musique en ligne, c'est un cours de théorie musicale et de pratique instrumentale. Donc là bien, chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 6h au 7h. Donc la passe en direct et sous page et YouTube, sous page YouTube et quoi qui c'est Dorémi facile. Dorémi facile. Do ré mi fa si. Donc c'est sous page ça, sous chaîne ça, chaîne YouTube là, YouTube ça, que n'a jeune couille comme ça, et ou capable de suivre ensemble avec moi. Donc si ou capable de participer ensemble avec moi, en direct, sous Dorémi facile, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, non, chaque samedi, lundi, mercredi et samedi, à partir de 6h ou 7h. Okay? Donc, on a mis 3 vidéos de cours par semaine. Mais 3 vidéos de cours de théorie musicale. Ok? À part ça, on a demain, on a mis une reprise cours. On a mis une reprise cours. On a mardi sur page et Facebook sur page Facebook. Excelsior École de Musique. Excelsior École de Musique. Ok. Ça, c'est Facebook. Facebook a bien en reprise. Ok. Et chaque mardi, jeudi. Ok, donc à part ça, vous pouvez participer ensemble avec nous comme étudiant actif. Étudiant actif là, donc lui-même, et il y a une possibilité pour nous suivre lui, donc pour nous balle, pour nous voir les documents balle, pour nous balle devoir chaque semaine, et puis pour nous voir comment on a progressé avec quoi, comment on a pas avancé. Et là, nous allons arriver dans le sens de pratique et tout. Tout va dépendre de qui instrument choisir, donc pas oublier pour ça. Donc nous on sait des théories musicales là, à partir avec théorie musicale là, ou capable de jouer n'importe qui instrument, les mettre piano, guitare, basse, batterie et saxophone, ou qu'à jouer n'importe instrument avec théorie musicale là. Parce que théorie musicale là c'est même lié partout et ça fait les musiques là, c'est une langue universelle. Donc quel que soit pays, continent que Malé, donc c'est même magayo, c'est même cette note, même cette figure, même cette silencio, ok, même portée, ok, donc c'est même bagay ça au map jeune. Et ça fait, les gens disent ces musiciens, l'on peut être un côté, donc, premier ça pour identifier à part de jouer pour capable jouer, parce qu'on capable jouer de manière routine avec tête ou avec bon sens, mais qu'on s'attend capable de jouer tout avec méthode. Avec méthode, ça veut dire, ou jouer livre. Et l'on joue livre, pas un livre, pas un style de musique qui est Kopaka exécuté, Kopaka joué. Ok? L'on joue livre, l'on joue avec. Et pas un style de musique que Kopaka joué.